Différence, peur de lui parler par crainte de sa différence physique ou spirituelle. À chaque fois que je sors, je vois la peur de la différence qui se promène. Et chaque jour, elle pourrit des esprits. La peur d'autrui nous empêche d'avancer. Je viens pas donner de leçons, mais juste poser des questions. Comme un journaliste de génération Vergalant. Dans ma tête, c'est souvent le bal des interrogations. Quand je cherche à comprendre ta peur. T'aimerais lui parler, mais la soi-disant différence t'apporte de l'appréhension et soudain cela te plonge dans un long silence. Pour ne pas froisser la personne en face de toi, c'est clair que c'est pas comme ça qu'on va briser la glace. Tous ensemble, faisons un pas contre la peur de l'inconnu. Tous ensemble, on fera la différence, on fera pencher la balance. Tous ensemble, pour faire taire la peur du handicap. J'espère que t'as capté. Je vais pas te parler en langage médicalisé. Mais sache que personne handicapé ne peut pas dire être bloqué. Même si parfois le simple fait de vivre est une difficulté. Mais j'ai appris que la difficulté peut devenir un plaisir quand avec elle tu atteins les buts que tu t'es fixés. Et peu importe les peurs et les différences, prends confiance, garde la pêche le plus souvent possible. Toucher le cœur de la cible.